Bonjour Clarisse. Comment vous allez? Ben ça va bien, bonjour à tous. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live ou pas. C'est le live numéro 5 déjà. Déjà? Ouais. Ou pas? Ou pas. Qui sait? On l'a fait toutes les semaines, hein? Oui, toutes les semaines. N'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous pensez de ce nouveau format. On essaye de varier un peu les lives avec des choses différentes. Et ben d'après les retours des gens sur les vidéos et d'ailleurs en boutique. Bah, c'est un truc. Ouais, on a des très bons retours. Ouais, merci à vous. Retour, tous. Ça fait toujours plaisir. C'est clair. Et puis, ça nous encourage à faire la suite, quoi. Ouais, et puis, merci Clarisse pour tous les montages, les inserts que tu fais dedans aussi. On essaye de faire des trucs propres. Ouais, et promis, on fera aussi encore des lives. Mais oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, on en a fait un aussi. C'était numéro 2, je crois, ou oui, numéro exact. 3. Ouais. On a fait vraiment en live. Mais même si on n'est pas vraiment en live, les amis, on répond en live à exactement, tous vos commentaires. Exactement, il y a quelqu'un. Donc on est connecté, on est même 2-3 en fait à chaque fois. C'est ça. Donc voilà. On va commencer ce live déjà parce que la rentrée est un peu lointaine, mais pas si loin que ça. Et donc on a une promo sur les livres Magic Dream. C'est ça les amis, c'est la semaine du livre. D'ailleurs il y a le bandeau. D'où la qui pile, apparaît, le bandeau. Bam bam. La pile de livres. Alors je suis allé dans le magasin, j'en ai pris, je ne les ai pas tous pris parce qu'on a quand même édité beaucoup de livres sur toutes ces années. Il n'y avait pas assez de place, quoi, sur la table. Pas assez de place. Donc j'ai fait quand même une petite sélection quand même des bonnes affaires à faire. Vous avez le John Carême, My Cardenal, si vous débutez en cartomagie, si vous avez des bases de cartomagie, que vous souhaitez élargir votre répertoire, c'est le livre qu'il vous faut. Before We Begin, les amis, Does You Win. Sur le pré-show, on en a beaucoup parlé. Excellent bouquin. Magnifique. Le volume 2 de Michael Stutzinger que vous pouvez acheter indépendamment, car c'est un registre de tour en fait. Hein. Ouais. Et donc, pareil, Michael, très bon niveau de carte, accessible, on va dire, niveau de cartomagie classique. Si vous avez bossé la vidéo « Les clés de la magie des cartes » ou la vidéo de Bernard Billis, volume 1, c'est à votre portée. On ne va pas tous les faire un par un, je pense. T'as vu, Clary, quel la métier. La pile des very best of. Les very best. Donc là, il y en a 3, mais en réalité, il y en a beaucoup, plus, quoi. Tout à fait. Faire la frise, en fait, c'est une frise qui se complète. Et d'ailleurs... Pour la petite anecdote, ceux qui ne le savent pas encore, on peut retrouver la frise au-dessus dans le magasin, au-dessus de la caisse. Mmh. Vous avez vraiment toute la frise des Very Best Of que vous pouvez compléter. Frise dessinée par notre ami Jean-Charles Briand, que je salue. Mais non, c'est Jean-Charles Briand. Bien sûr. Ah, c'est très drôle, je ne savais pas. Ensuite, vous avez le Berglas, le classique, qui est fourni avec les vidéos. Il y a 3 DVD, mais comme maintenant, il n'y a plus de DVD, on vous fournit des fichiers vidéo que vous pouvez regarder. Grand classique, grand monsieur, la vie, ses tours, ses inspirations, énormément de choses à apprendre. Un très très beau livre. Alors, mes livres préférés, Principia, les amis. Vous avez déjà pu voir des vidéos, des réels. Bah, d'ailleurs, je peux vous en afficher un juste ici. Approaching Magic, alors je vous le redis, alors Approaching Magic, super bouquin, vous avez du mentaliste, des cartes, des pièces, David Régal, grand, grand magicien, et énormément de tours à apprendre pour, je ne dis pas ça parce qu'il y a une promo, mais il ne nous en reste plus beaucoup, donc sure. Il faut en profiter. Vous avez tous les autres livres Magic Dream dont on n'a pas parlé qui sont disponibles pendant cette promo, et cette promotion va durer combien de temps, Clarisse? Elle dure jusque mercredi, donc en réalité c'est une semaine. Voilà, vous avez une semaine, semaine pour profiter. D'où la semaine du livre, d'où son nom. D'ailleurs, les amis, si vous voulez vraiment en savoir plus sur ces promotions, n'hésitez pas à être abonné à nos newsletters, puisque par exemple, hier soir, il y en a une qui est sortie, et on en sort en fait un peu sur toutes les nouveautés, tous oui. Les produits qu'on aime, un peu tous les événements, toutes les grosses vidéos, etc. Voilà, il n'y a pas que les nouveautés c'est important,
Mais des Ouais. fois, on prend aussi un tour sur lequel on a eu un coup de cœur, donc dont on va vous parler aussi pendant le live. On prend aussi le top des ventes, le top de certains clients, le top des membres de l'équipe Magic C'est ça, Dream. ça peut être tout. Ou par exemple, Ouais. si on a une prochaine, ça va être sur les tours avec de l'argent. Ouais, Donc ça, c'est pas mal. intéressant. Donc On va en parler aussi, ça, pendant le live. on peut en parler aussi Tu pendant vois? le live, ouais, carrément. Allez, on va ranger les livres et on va passer à la présentation des produits de ce live. Merci Clarisse. On commence par quoi alors, ma chère Clarisse? On va commencer avec le tour Mister Gloves, les amis. Donc en fait, c'est un tour qui est sorti il y a quelques mois, qui était en rupture de stock. On en a fait une vidéo réaction avec Alexia, c'était très très drôle. Et puis le voilà, il est de retour en stock, les amis. Donc on s'est dit pourquoi pas vous le montrer, pourquoi pas vous le présenter. Alors ça a été un carton. La vidéo qu'on va vous mettre juste après du créateur est super bien faite. L'idée est géniale. C'est C'est ça. Bah un principe de magie que tout le monde connaît, hein. Mais amené avec ce petit personnage et ce gant, c'est formidable. Bah c'est vrai que donc l'idée c'est ça, si vous avez des gants, bah vous savez pas, on va voir le truc. Oui, voilà. Comme ça, au moins, hop, ça c'est moi qui l'ai rajouté, c'est pas fourni à l'intérieur, mais c'est parce que c'est pour en faire une vidéo. Donc à l'intérieur, vous avez ça. Donc, hop, vous allez comprendre. Donc il y a vraiment deux gants rouges. En plus, il fait froid en ce moment. Bah, il Du fait coup, c'est meilleur pratique. aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a eu froid. Hop, donc voilà. Et l'idée, c'est de construire une petite marionnette avec Lego. Donc, si j'ai bien suivi sa vidéo explicative, on est censé faire comme ça. Vous avez vu, je le fais en direct. Hein. C'est vraiment improvisé. Là, on a un petit bonhomme avec un bonnet. Pour que notre bonhomme soit réaliste, il faut juste rajouter des yeux. Attendez, j'ai mis ses yeux de travers. Mais si, il est pas mal, je Il trouve, est pas hein? mal, hein? Et Ouais. donc, en fait, pour vraiment donner l'illusion, il faut remonter un petit peu le gant. Et là, on peut tout de suite avoir un Ouais, petit c'est une bonhomme, petite quoi. marionnette, c'est un petit bonhomme, tout à fait. Il est super sympa. Bah, je J'aime trouve que beaucoup. tu l'as très bien fait, Clarisse. Je vais applaudir. Donc, voilà. Et ça, j'ai vraiment. Oh, ça m'a pris 5 minutes à apprendre à construire le petit bonhomme. Et donc, avec, pourquoi j'ai rajouté un foulard? Parce que justement, le petit magicien peut le faire disparaître. Donc, on peut vous mettre bah, la vidéo trailer tout de suite.
Donc voilà les amis, vous pouvez faire. Non, c'est un assistant. C'est ça, c'est un C'est. assistant, c'est l'assistant, la marionnette assistant. Et c'est super mignon. Je C'est pense sûr. qu'il n'y a pas que ça à faire avec aussi. Hein. Il y a plein d'idées. Je pense que ceux qui ont des origines un peu circassiennes ou ventriloques, Bon, etc., ventriloque, ouais. peuvent faire des choses intéressantes. Mais en tout cas, le gimmick qui va avec le gant, c'est une super idée, je trouve. C'est Hein. ça, donc à l'intérieur, il y a un gimmick que je ne vous ai pas montré, que je ne vous ai pas sorti. Mais c'est un classique, tous les magiciens Ouais, connaissent. C'est juste que ça va du coup avec les gants. Donc sans exactement. trop en dévoiler. Voilà, t'as tout Mais dit. voilà. Et j'espère que je vous ferai une prochaine vidéo. Donc, ça s'appelle Mister Glove de Juan Pablo Ibanez. Et il est à 69,90. C'est un retour en stock, on peut dire, c'est Ouais, c'est ça? ça, c'est un retour en stock. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos qu'on a déjà faites dessus sur la chaîne, les Ouais. amis. Et vraiment, si vous faites des prestations enfants, même adultes, mais avec une histoire, etc., c'est vraiment quelque chose de super intéressant. C'est super drôle. Puis moi, je fais beaucoup de magie de cartes. C'est pas trop mon délire de faire des trucs avec des gants et tout. Mais ça, je trouve ça tellement drôle que C'est bah, ça vrai. va un peu rentrer dans mon Ouais, c'est répertoire de rigolo, tours de ouais. magie à faire au final. Donc voilà. Mister Gloves. Mister Gloves, on passe à la suite? Ouais, on passe au second tour. Alors le second, c'est pas un tour. Non. C'est un livre. C'est un livre, c'est une grosse sortie de cette rentrée. Donc c'est le dernier livre de Christian Schellmann. Alors je ne sais pas le prononcer. Ah oui, c'est vrai que tu ne travaillais pas encore chez nous quand on a reçu Christian en conférence au Non, du magasin. tout. Moi, j'ai jamais C'était il y a vu. très longtemps, hein, c'était avant l'incendie. Et Christian Schellmann, c'est un grand magicien belge. D'où du coup les. Je vois les petits rubans là. Ah oui, ah bien vu, j'avais pas vu comment dire, le rapport, mais effectivement, ouais, C'est d'où les sympa, moi j'ai rubans. trouvé ça très Et joli donc d'en c'est un avoir trois. spécialiste de ce qu'on appelle Bizarre Magic. Il a un musée, comment dire, un cabinet de curiosité en forme de musée à Bruxelles. D'accord, ok. Donc sa spécialité, c'est tout ce qui est phénomène surnaturel et l'utilisation de la magie et des histoires autour de tout ce qui est un peu surnaturel. C'est drôle, ça me fait Donc. penser à un truc. Ce matin, j'ai ouvert notre chat parce qu'en fait, on vous répond aussi à toutes vos questions sur le site internet. Ouais. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et m'a envoyé Esprit, es-tu là? Ah, bah voilà. Je te conseille ce Voilà, on est dans livre. l'ambiance. Et donc dans ce livre, vous avez des tours, des histoires, mais vous allez un peu visiter quelque part son musée, son cabinet de curiosité. Et donc c'est un mélange. Ceux qui connaissent déjà les livres de Christian Schellmann, bah, vous êtes vraiment dans l'univers de ces livres. Hein. Faut pas le lire comme un livre avec une succession de tours. Il y a des tours, mais il y a des très belles images C'est ce que j'allais et il y a dire. aussi des histoires qui vont vous servir de support pour vos tours. Ok, c'est Ouais, tu vois, flippant. cabinet de curiosité, on peut peut-être montrer la page rapidement Oui. en gros plan. Donc voilà, tu vois l'ambiance un peu du livre, quoi. Bones Donc il y a des Collector, os, des couteaux, des c'est squelettes, ça, quoi. c'est ça. Donc Sympa. c'est vraiment une ambiance cabinet de curiosité, bizarre magique. Le livre est fourni, alors tous les livres sont numérotés, vous les recevez avec un petit certificat d'authenticité, mais aussi une enveloppe avec des cartes et des accessoires qui vous permettent de faire certains tours du livre. C'est ça, en vrai les images du livre sont vraiment sympas. Ouais, c'est un bel ouvrage, C'est hein. ouais, j'aime beaucoup. Très bel ouvrage, donc c'est sorti quoi, il y a une semaine à peu près, Ouais, même pas un peu hein, je plus, ouais. pense. Et donc je me souviens plus de la date de sortie, mais c'est tout récent. Mais c'est vrai que bah, le quatrième de couve le dit lui-même. Chaque sortie d'un livre de Christian Schellmann est un événement. Donc voilà, ça dit tout, hein. Donc depuis plus de 4 décennies, le conservateur nous fait découvrir son univers si particulier qu'est l'illusionnisme fantastique. Il y a des taches de sang en plus sur les livres. Ouais. Et c'est vraiment un très très bon magicien. Hein. Je parle comme un vieux maintenant. J'ai fêté mes 50 ans la semaine dernière. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il avait fait des livres aussi sur la triche. Il avait fait une D'accord. vidéo sur la triche. Et puis Donc il a. il fait pas que de la magie bizarre. Non, il fait pas que de la magie bizarre, mais il en a fait un peu au fil des années sa spécialité. Et vous avez été Voilà. voir son musée à Bruxelles? Non, j'aimerais beaucoup le visiter. Il paraît que c'est très très bien.
Une fois, on avait abordé la possibilité de faire une équipe un peu au départ du magasin pour y aller, Ok. mais on n'a jamais eu l'occasion de le faire. J'aimerais beaucoup le visiter, ouais, tout à Pas fait. une fois. Bah, en plus, on était en Belgique ce Ben week-end, oui, pas vous très auriez pu le loin. croiser presque, hein? Oui, c'est vrai, c'est vrai. En plus, on a failli se perdre. On a failli aller à Bruxelles à la place de Liège. Ah, ton sens de l'orientation, Clarisse, on va Non, pas en c'est parler vrai. pendant live, Ça, je vous l'ai pas dit parce mais que tu sinon vous progresses, avez. tu progresses. Je suis arrivé à destination, Ah, mais vous y ouais. êtes arrivé sans vous perdre. Non, Donc ça, c'était c'est très vrai. bien. On a suivi des gens qui nous ont guidés pendant le train. Donc les amis. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour parler du vlog. C'est ça, Et d'ailleurs, donc. j'imagine que... Ah non, au moment où le live va être diffusé, le vlog sortira Sortira 2 ou 3 2-3 jours jours après. après. Donc, n'hésitez pas à suivre ce nouveau format aussi C'est chez ça. Magic Dream, le Donc, vlog avec Clarisse. ça va être le troisième. Et ça va être le troisième, c'est vraiment bien. C'est donc ça dure environ 30 minutes et on rajoute, enfin, on raconte vraiment toute la vie de Ouais. l'entreprise, de Magic Dream, de l'équipe. Et là, pour vous spoiler un peu le truc, il y avait une convention à Spa en Belgique, donc c'est une ville, et Johan allait y aller, donc c'est le Magical Festival. Et en fait, il a été tout seul et il savait pas qu'on allait le rejoindre, donc on est parti lui faire une surprise et on l'a Voilà. rejoint en train. Mode un peu caméra cachée, surprise, on est là. Et puis après, vous avez partagé toute l'ambiance du congrès. C'est ça, et puis on vous a rencontré, c'était vraiment incroyable. Donc merci à vous, on partage tout ça en vidéo, ça sort en fin de semaine, donc n'hésitez pas à nous suivre. De toute façon, on va en parler parce que bah, c'est incroyable de vivre ces expériences. C'est ça. Donc, on passe à la suite. Je On remonte passe le à la livre de suite, Christian donc Schellmann. ce livre, les amis, il est à 129,90 €. Et bien sûr, vous avez 10% dessus si vous bénéficiez des cartes de fidélité. Tout à fait. Voilà. Donc, carte de fidélité MD 10%, C'est ça. MD plus Donc c'est 15% 10% sur les aussi. produits Voilà. Magic Dream et Et 10% sur 10% le sur tout le reste. catalogue. Et bien sûr, l'accès à tout ce qui est MD plus, les causes toujours, les un livre, une routine. On a Donc la ça. rubrique grossit de mois Donc en en fait, c'est mois. un blog secret, c'est ça, et où vous avez plein de concepts vidéo, c'est vraiment incroyable. Je sais que moi j'aime énormément, et en plus, vous allez voir, il y a énormément de projets qui arrivent dessus. Ouais, On a on est en trop hâte train de de vous les changer, présenter. donc on va vous présenter tout ça. On va pas en dire plus parce Non, que après on saura plus quoi bon. dire. C'est ça. Alors la suite, Wooden Mental Logs. Ah, alors ça, c'est très drôle. Je l'ai même découvert là, 5 minutes avant le live, en fait. Mais Ah. c'est un truc que je connaissais déjà avant que Max m'avait Exactement. montré. Parce qu'on a une version dans Les Clés de la Magie. Exactement, Et on a ça une version s'appelle clé de la magie magasin Le Code Secret, qui juste s'appelle ici. le code secret. Et bah ça, c'est la version un peu plus luxe en fait de cet Je vois effet-là. ça, ouais. C'est-à-dire qu'on peut peut-être passer sur la vue dessus. Voilà. Là, c'est comme ça. Et donc, vous avez une boîte avec les quatre bâtonnets et les chiffres qui sont en bois. Donc Mais un bois. on dirait du bois, mais on dirait les pièces d'échecs un peu de luxe, la Ah oui. matière. C'est vrai que ça fait très lourd. Vous ne pouvez pas l'avoir en main en Ouais. vidéo. Mais en tout cas, l'impression qu'on a quand on les prend, effectivement, c'est que c'est voilà, c'est du solide. Même le bruit, vous voyez, il fait un peu métal. Non, non, c'est du bois. Je pense que c'est de l'ai. Je ne sais pas. Je ne suis pas Je sais spécialiste en pas, mais en bois. tout cas, c'est très Mais très c'est très très beau. joli. Et donc, c'est vrai que c'est un effet qui plaît énormément. Beaucoup de magiciens font ce tour-là. C'est un peu classique, hein, mais il n'y a rien de mieux que certains classiques revisités. Et Ça puis. existe depuis combien de temps, ça? Je sais pas, mais en tout cas, moi, quand j'ai commencé la magie, ça existait déjà. Hein. Ah oui? Ouais, tout à fait. Et Ok. donc, l'effet, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va le faire, Clarisse, peut-être. On fait la On démonstration? fait la démo? Ok, c'est parti pour la démonstration. Ok. Ah ouais, changement de plan et tout. Mais oui, mais oui. Je me suis Alors, amélioré. je vais te faire la version courte. On va faire la version courte. Ok. Est-ce que tu es forte en calcul mental? Moyen. Moyen? Je peux prendre mon téléphone? Oui, tu vas prendre ton téléphone. Hop, je prends mon téléphone Et pour donc, calculer. comme tu peux le voir ici, j'ai des petits bâtonnets et sur ces bâtonnets, il y a des chiffres qui ont été mis de manière aléatoire. D'accord. Et si on en tourne un, tu vois bien, on n'a pas les mêmes chiffres qui s'affichent. Tu vois, tu Ouais. peux les tourner, tu peux regarder. C'est pas les mêmes du tout. N'est-ce pas? Ouais. Et alors, ce que je vais te demander, c'est de mélanger les bâtonnets de manière à avoir plusieurs Comme chiffres ça aussi, aléatoires, ouais, comme tu veux. dans tous les sens, quoi. Tout à fait. Hop. Super, et tu les réorganises comme tu veux.
Et là, en fait, ce que je peux te dire, c'est que moi, je peux deviner le résultat plus vite que toi. Tu vas mettre à le taper à la Le calculatrice. résultat de ça, genre Oui, de l'addition. Si on prend 9794. tous les chiffres, voilà, de manière horizontale, Ok. en faisant plus, 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 bah, tu peux commencer, mais je peux déjà te dire que ça fera 28 641. Mince. 28 641. 28641. Le résultat, ouais. Donc 9794 plus 4, 8, 2, 5, plus 8, hop, 4, 3, plus 5, 3, 7, 9. Vous avez dit combien? 28 641. 28 641, les amis. Vous calculez plus vite qu'une Voilà. calculatrice. Mais ouais. Vous faisiez ça à vos profs de maths à C'est l'école? ça exactement. J'ai fait des études de comptabilité, moi, à l'origine, tu vois. Donc Pour de c'est pour vrai? ça. Ouais, pour de vrai. C'est J'ai un bac incroyable. de compta. Est-ce que vous faisiez ça à vos clients? Ouais, bien sûr. Alors, j'ai pas vu la vidéo d'explication de TCC, mais ce tour, ce qui est intéressant, c'est que je vous donne une petite astuce, c'est que quand vous connaissez le truc, vous pouvez le faire de manière progressive. C'est-à-dire que c'est amusant de dire au spectateur, bah tiens, j'ai un bâtonnet, mets-le dans la position que tu veux, et très vite, je peux calculer de tête. Et donc là, le spectateur va dire, ouais, mais là, il y a que, hein, c'est facile à faire, même si tu Ouais. peux le faire vite. Hein. Tu vois, par Là, exemple, là, ça fait avec un 20... seul, ça tout fonctionne. à fait, ça fait 25. Donc. 9 plus 3 plus 7 plus 6. Et donc en ajoutant le deuxième, en connaissant bien sûr le principe, ça marche aussi. En ajoutant le troisième, ça marche aussi. En ajoutant le quatrième, ça marche aussi. Donc ça vous permet aussi de faire une présentation progressive de cet effet auprès de votre spectateur. C'est très sympa. J'aime Et donc beaucoup. c'est génial. Alors cette astuce-là, on l'explique dans, les clés, dans le tour des clés de la magie. Ok. Mais voilà, c'est un petit cadeau du live. Vous pouvez faire ça avec ce tour-là. Et très cool. En plus, il est très beau, vraiment. Je pense que Max, il va le prendre pour collectionner Alors, moi, je dans suis les quasiment objets. sûr. Déjà, moi, je vais en me mettre un de côté aussi. Mais je suis quasiment sûr que tous ceux qui ont la version, on va dire, classique, plastique, un peu débutant, et qui font ce tour régulièrement, bah, sont obligés de prendre cette version-là pour avoir un bel objet pour faire ce super effet. Donc, attendez, Wooden Mental Logs, les amis. Il fallait que je mette les mots dans le bon sens. C'est à 59,90 €. C'est un produit TCC. Et c'est. Donc, vous avez des routines à l'intérieur avec cet objet-là. Et puis, en vrai, que dire de plus? Bah, C'est un objet de collection aussi. voilà, c'est C'est un très bel objet. important. Donc, si vous êtes collectionneur, vous avez une vitrine, vous pouvez l'avoir aussi chez vous. Et puis, quand vous avez des invités, ils disent, ah, mais c'est quoi le truc avec les chiffres? Et là, vous avez la possibilité de faire la démonstration Je peux directement. faire du black art. Ouais, bien. Ouais, On va faire les réglages de caméra pour sûr. toi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur notre liste? Alors ça, j'ai vraiment trop hâte de les présenter, les amis. Vous les connaissez déjà, les jeux One Piece. Et ben vous savez quoi, il y a d'autres personnages qui sont sortis. Et vraiment, je trouve que le design des jeux est incroyable. Donc si on les met comme ça. En fait, si vous mettez tous les jeux One Piece sur la tranche, vous pouvez voir tous les personnages. Ouais. Ouais, donc ça, c'est les antagonistes de la série. C'est la nouvelle collection. Et les autres, c'était vraiment les personnages principaux et l'équipe de Luffy, le chapeau de paille. D'accord. D'ailleurs, attendez, dites-moi que vous avez vu quand même le documentaire d'Inox Tag qui est sorti vendredi Pas du dernier. tout, pas Pour de du tout. vrai? Non. Mais non. Non. Bon, je peux pas le mettre en live parce qu'il dure 3 heures. Mmh. Il faut que vous regardiez. Il est incroyable. D'accord. Et du coup, Inox Tag, long, avait le chapeau de One Piece en montant l'Everest de Luffy. D'accord. Donc vraiment Ah, exceptionnel. pas mal. Et Ah bah, je regarderai. par contre, la qualité d'un réel, etc. Ouf. Magnifique. Donc regardez vraiment, Ben, je vais c'est. regarder, ok, tu m'enverras le lien. Donc voilà, One Piece. Est-ce qu'on n'en ouvrirait pas un? Parce qu'en vrai, ils sont vachement beaux. De dessus, surmonte les personnages comme ça. Alors je les connais pas tous, hein. Je sais que Greg est un grand Ah fan. ben Greg est fan et quand il a Lui, vu que ces jeux-là sortaient, il disait, oh mince, il va falloir que je les je sais achète. qu'il est même dans la série Netflix. Tu vois? C'est Alors moi, incroyable. je connais pas du tout, hein. J'avoue que j'ai pas du tout Alors, suivi. Greg m'a expliqué avant live, mais j'avoue, il y avait trop de personnages, j'ai pas tout... D'accord. pas tout retenu. Bon, en tout Mais cas, écoutez. vu l'effet de mode de cette série, de ce label, Lui, je je pense que pense que c'est c'est très mon bien. préféré. Doflamingo, il est vraiment très haut. Ouais.
Ou alors le clown aussi, il est vraiment pas Celui-là, il mal. est beau, hein. Ouais, il est beau. On ouvre lequel? On ouvre le rose ou le lui? Je te laisse choisir, Clarisse. Allez, celui-ci. Allez. Alors. On ouvrira les autres dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, ce serait drôle de faire une vidéo avec Greg qui nous explique l'histoire des jeux One Ah oui, ça Piece. pourrait être sympa, ça, c'est vrai. Donc, Alors, attends, j'y arrive pas. J'essaie de faire ça délicatement. unboxing, ça c'est le moment le plus satisfaisant quand on ouvre un jeu de Ah cartes, je ouais, pense. surtout quand la Ouais. languette se coupe comme ça bien facilement. Alors. En plus, il y a toujours une petite Alors, ils sont odeur quand on numérotés, ouvre hein, un jeu de si vous pouvez voir, cartes. tu peux mettre peut-être la caméra dessus. Ouais, hop. Comme vous pouvez le voir ici, on a un numéro. On va le tourner comme je veux. Ah, voilà. Sur la languette ici, les jeux sont numérotés. C'est la mise au Donc point, là, c'est c'est le fait. numéro. 604 sur 999. Alors ça, moi, je suis un peu maniaque quand les jeux sont numérotés. J'essaye de décoller l'étiquette Ah ouais? pour pas la couper, en fait, tu vois. D'accord, ok. Je fais Max a ça. une autre technique, lui il prend son ongle, c'est ce qu'il lui dit, c'est ce qu'il disait dans le dernier live, et il fait le tour comme ça. D'accord. Moi je le fais avec un cutter. Encore mieux. Mais voilà. Donc ici, vous avez le jeu à l'intérieur est protégé aussi, donc c'est C'est plutôt ce que gage j'allais de dire, il est qualité. même encore scellé quoi. Donc deuxième. Déjà la boîte j'aime beaucoup en vrai. Donc on peut retrouver. Donc Buggy c'est le clown méchant en fait, je crois que c'est dans. Dans l'anime, je ne sais pas à quel épisode ça correspond. Dans la série, je sais que c'est la saison 1. Oh, incroyable, par contre, les Attention, cartes. alors attends, mettre comme ça pour les montrer. Donc ça doit être Je pense que c'est des les cartes en plus ouais. pour montrer vraiment les personnages qui existent. Donc il y a un QR code, je l'ai flashé, mais bon, Le c'est pas une problème, explication, je pense. c'est que moi, je collectionne les jeux One Piece. Là, il y en a beaucoup qui sont sortis en même temps. Il Eh oui. va falloir que je les rajoute tous à ma collection, quoi. Exactement, l'as de pique est personnalisé. Donc chaque là, il y a quand même il y Note a de un vrai musique, ouais. design en fait, hein. C'est vraiment un vrai design dédié à ce jeu. Ah, et donc à l'intérieur, vous n'avez pas que ce personnage, mais du coup tous les personnages Voilà, qui vous vont avez les avec, ouais. figures qui sont. Alors, est-ce que c'est les personnages de la nouvelle édition ou C'est les les personnes. Ouais. personnages de la nouvelle édition. D'accord. Génial. J'essaie de Hop. vous les montrer correctement. Je pense que c'est bien. Donc c'est pas des cartes rouges et noires, c'est des cartes bleues et noires. C'est ça. J'aime beaucoup les Moi as en j'aime bien le vrai. design et puis même les dos. Hein. Le dos est super sympa. Et le dos, bah vous avez le nom du personnage en fait. C'est ça sur le dos. J'imagine que toutes les cartes sont avec le nom lié à la boîte en fait. Je pense. Ouais. Et Bon, sur on les verra effets ça comme sur le ça. prochain unboxing. Les faces ou les Les dos? dos, les dos. Les dos. En vrai, moi j'aime bien, c'est trop stylé. Très très Franchement, très beau. stylé, je Très beau jeu. valide. Et en plus, la qualité des cartes, elles sont un peu plus épaisses que les Théorie 11, mais Exactement. elles sont de bonne qualité, ça ressemble Oui. un peu à des keepers en vrai. Exactement. Donc voilà. Ouais. Oui, pour ceux qui veulent faire de la carte au magie ou de la carte distrait avec, ouais, la tenue, elle semble un peu plus épaisse qu'une bicycle. Donc voilà, Ça hop! fait penser au Jerry's Nugget d'origine. C'est les Original Touch. Ah moi j'ai jamais connu du coup. Ah. Ah si si je crois que j'en ai Si, déjà je pense que touché t'en as ouais. déjà vu, ouais. Le Bernard il doit en avoir. Bernard, qu'on salue. Donc voilà les amis, il y a pas mal de nouveaux jeux du coup qui sont sortis concernant le bah, One Piece tout simplement la série. Chaque jeu est à 17,90 €. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet. De toute manière, on a mis tous les liens dans la description. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir si ça vous intéresse. Voilà, vous avez tous les liens des produits et aussi de la promo livre dont on a parlé au début. Je dis ça pour ceux qui viennent d'arriver. C'est vrai. Et je pense que je vais faire une vidéo avec les jeux de cartes One Piece et je vais mettre un chapeau de paille. Ah, Ah, il y a un intéressant. moyen de faire Bah, de fais une faire un beau vidéo avec truc. Greg, comme ça Greg nous parlera un peu des personnages. Ouais, je vais rajouter le chapeau, il sera pas. Ça va être drôle. C'est ça. Donc, ça, les amis, c'est un tour. Je ne connais pas. Ouais, c'est mon petit coup de cœur. Ok, C'est d'accord. vrai, c'est un tour qui existe depuis très longtemps, hein, Entourage, donc qui a été réédité chez Penguin Magic. D'accord. Et à chaque fois que j'en parlais avec Max ou d'autres, tout le monde me disait, ah bah oui, c'est un B-Wave, c'est un peu comme Twisting Sisters, etc. Ouais. Et du coup, bah, comme moi, j'aime beaucoup Twisting Sisters, bah, je m'y suis pas trop intéressé.
Et puis le hasard a fait que je me suis penché dessus le week-end dernier et j'ai trouvé ça super. Ok, d'accord, Donc trop bien. bah, je vais te le faire puisque tu connais pas. Avec plaisir, je vais découvrir ça tout de suite. Allez, on y va. Petite démo. Ici, j'ai une enveloppe, Clarisse. Et Ok. dedans, c'est très simple. Il y a deux jokers avec une dame entre ces jokers. Ok. Tout simple. Et je vais te demander de penser à une dame, n'importe laquelle. Et c'est pas. Alors, je voudrais pas que tu penses que je t'influence avec l'enveloppe noire, que tu penses faut que tu penses à une dame noire. Bien entendu, tu penses à la dame que tu veux, n'importe laquelle. C'est bon. Donc, quelle dame? Dame de pique. Dame de pique. Ouais. Intéressant. Alors, je t'ai pas dit totalement la vérité. Dans mon enveloppe, j'ai bien deux jokers. Vous m'avez menti. J'ai menti. Pas tout à fait. C'est-à-dire que j'ai bien la dame de pique entre les jokers, mais en fait, j'ai les quatre dames. Donc, ce n'est pas super magique. C'est un peu facile, je C'est trouve. facile, c'est facile. Ce que je vais te demander maintenant, c'est que tu vas éliminer au hasard les cartes qui ne sont pas la dame de pique. C'est vrai? Ben oui, Celle que je veux. celle que tu veux, tu me montres du doigt. Celle-ci. Celle-ci, ce n'est pas la dame de pique. Celle-là, c'est pas la dame de OK. pique. Celle-là. Celle-là, pas la dame de pique. Non Attends, plus. comment je fais pour être dans le champ? Voilà. Et celle-ci. Celle-ci, pas la dame de pique. Oui. Donc parmi toutes les cartes que tu as éliminées, tu n'en as gardé qu'une seule. Et bien entendu, tu as gardé la dame de pique. Mais ça, ce n'est pas le plus fort. Le plus fort, c'est qu'en fait, je n'ai pas pris la peine de mettre les autres dames. Donc voilà, on est vraiment dans la catégorie de l'effet qu'on appelle B-Wave, hein, qui a été popularisé par Max Fawen, Phil Goldstein. Mes parents, c'est trop bien. C'est génial. Donc il y a une bonne vidéo d'explication aussi avec qui montre des variantes, qui montre il y a d'autres cartes aussi qui permettent de le faire avec une main de blackjack, avec une thématique du jeu. J'ai pas compris. Ah, après le live, je t'expliquerai. Et donc, c'est moi, j'ai adoré ce tour. J'ai tellement adoré que je l'ai étudié vendredi dernier. J'avais une prestation samedi. Et je l'ai fait en prestation samedi. J'ai trouvé ça vraiment super sympa. Un très bon tour d'entrée, ou pas. Et en plus, alors, Ouais, ce qui est il est assez intéressant. rapide et puis au départ, c'est vrai que c'est drôle parce qu'on se dit, ah oui, il y a les quatre dames. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire aussi debout sans table. D'accord. C'est-à-dire que quand tu tiens les quatre cartes, les six cartes, tu peux dire au spectateur de tendre sa main et tu lui poses les cartes dans la main. Parce que les cartes que tu lui poses dans la main, bah, il n'y a aucun problème en fait. Ouais. Et donc, c'est aussi un B-Wave qui est faisable debout sans table. D'accord. Ce qui était un petit peu l'inconvénient, ça me fait mal au cœur de dire ça, parce que j'adore ce tour. C'est Twisting Sisters. D'ailleurs, on pourra vous le remontrer dans un live prochain, qui est un peu dans la même catégorie d'effets. On pouvait Mais pas le par faire sans contre, table, ça. bah là, il y a une petite pochette, il y a deux fois quatre cartes. On est obligé de poser un peu les cartes, faire il y a une cinématique un petit peu, dire, bah voilà, la carte va sortir de là, va aller là. Ok. Donc c'est quand même mieux sur une table. Mais alors que là, celui-là, il est vraiment faisable dans toutes les conditions. J'ai eu un client cet après-midi dans le magasin, il me disait qu'il le faisait en Street Magic sans aucun problème. Ah, c'est bien. Et donc ça, Donc c'est le voilà. tour, on va dire, enfin, l'opener de vos derniers. De mon dernier close-up, Ok. ouais, je l'ai fait à quelques tables, Ah, exactement. sympa. Moi, du coup, en opener, ce que je faisais, c'était stand-up monté Ouais, très bien, de Gareth génial. Thomas. Et là, je vais changer en vrai, parce que j'ai vu un tour ce week-end qui m'a plu. C'est Instant Paper to Money. Ah oui, ah oui, c'est bien Donc, ça. c'est un peu comme un Extreme Burn, mais je trouve qu'il est beaucoup plus Le flash. direct, plus flash, ouais. Donc, je vais essayer de le faire. Ah bah, j'ai hâte de voir en direct parce que la vidéo, moi je trouvais ça génial, mais j'avoue que je l'ai jamais Mais je vu en pensais que ça vrai, quoi. marchait que en vidéo aussi. Et quand je l'ai vu en vrai, je fais. Allez, Je on y va. passe. D'ailleurs, c'est amusant que tu parles de stand-up monté parce que dans les explications, ils expliquent qu'en utilisant la manip du stand-up Ah monté, ouais? il y a moyen de faire quelque chose aussi avec ce tour. D'accord, ok, Et donc c'est de très faire drôle. disparaître la carte qui a été choisie en fait. Mais en plus, pourquoi j'en parle? Parce qu'en ce moment, on en parle tout le temps en boutique de ce tour. Donc, bah, c'est vrai que je vous ai promis une démonstration, vous savez quoi? Je la remets juste là. Les amis, est-ce que vous connaissez le concept du bonneteau? C'est très simple, j'ai ici trois cartes et l'objectif c'est de suivre la dame parmi les deux autres cartes. Les quatre de pique, ok? Alors je laisse la dame au milieu et je vais laisser les quatre sur les côtés. Donc vous savez quoi, on va faire plus simple, je vais laisser la dame sur la table. Où est la dame?
Ah oui, j'ai juste oublié de vous dire un truc. Le bonto, ça repose sur des principes de subterfuge. Donc il faut juste suivre la bonne dame. Ok. Bon, vous savez quoi, on va jouer avec deux cartes, ce sera plus facile. Les amis, où est la dame? Non, en fait, ici c'est un 4, la dame elle est juste ici. Ok. Bon, je vais laisser la dame dans ma poche, comme ceci. Comme ça, moi je n'ai plus de dame. Les amis, où est la dame? Dans ma poche? Alors, c'est vrai qu'on peut penser qu'elle est dans ma poche. On peut penser aussi qu'elle est ici alors qu'en fait elle est déjà là. C'est bizarre. Hein. En fait, dans ma poche, j'ai un 4. Bon, vous savez quoi? Je vais laisser la dame sur la table, je n'ai plus de 4. Et si je veux vous faire perdre, ben, vous n'en avez plus non plus. Ouais, en fait, ça repose sur 3 cartes, parce que dans ma poche, j'ai une dame. Mais si je veux vous faire gagner, je peux. J'ai juste à poser la dame sur la table, à mettre le 4 dans ma poche. Non, la dame est vraiment sur la table, hein. Parce que si je veux vous faire gagner, j'ai juste à faire ça et à transformer toutes les cartes en dame. Bizarre. Donc, entourage est au prix de 29,90. Et donc, c'est une préco parce que bah, c'est dispo chez notre fournisseur. Donc, le temps qu'on les reçoive, on a préféré être honnête et vous dire que c'était une préco. Mais on est livré en 48 heures par ce fournisseur, donc ça peut être livré très vite. Donc, n'hésitez pas quand même à le commander, comme ça, vous, vraiment, vous le réservez. Parce qu'en général, quand on fait des vidéos, bah, il nous reste plus beaucoup de produits. Ça aide à vendre, ouais, tout voilà. À fait. On passe à la suite. On passe à la suite. Alors, ça, voilà, Vegas Dream. On passe à la suite. Ça, c'est Vegas Dream. Pourquoi je l'ai remis dans le live? Il est là. Bah, tout simplement parce que c'est un tour que j'aime beaucoup. Ouais. Donc, retour en stock. Il nous en restait plus beaucoup. Hop, Vegas Dream, les amis. Donc, Vegas Dream, c'est quoi? C'est... comment dire? Vous avez une pièce. Vous en faites apparaître une deuxième, les pièces voyagent, une troisième apparaît, elles changent de couleur, elles disparaissent au fur et à mesure, une par une. C'est vraiment super beau, super visuel. Et je vous propose une démonstration tout de suite. C'est ça. Donc les amis, une pièce, juste ici, on peut même en avoir une deuxième. En fait, si on se concentre, c'est une pièce qui voyage, mais d'une main à l'autre. Moi, je trouve ça super drôle. On peut même en avoir juste ici une troisième, une, deux et trois. Alors, faut juste se concentrer sur ces pièces pour tout simplement ne plus avoir de pièces et avoir des jetons de poker. On en met un dans la main, disparaît totalement. Le deuxième change de couleur, juste ici, encore une fois. Trop tard. Ouais, magnifique. Super. Vegas Dream, les amis. Donc ça, c'est un tour que je fais super souvent en boutique. Mmh. Et en boutique, j'ai rajouté un petit truc sur le tiroir, justement, pour ne plus avoir la pièce. C'est vrai qu'on peut... C'est, l'avantage de la boutique, c'est que grâce au tiroir, on peut adapter les fins des tours. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça a été c'est un carton plein depuis qu'on a fait ce partenariat avec Bill Chung, qui est le créateur de ce tour. Mmh. Et ce qui est très, très bien dans ce tour, c'est qu'il ne nécessite pas non plus un niveau en pièces... très élevé, hein, très pointu. Il y a quand même une base de magie des pièces, on va dire classique. En vrai, ça, moi, c'est le premier tour. Enfin, moi, je faisais pas de pièces avant, mais c'est le premier tour que j'ai appris. Voilà. Et c'est même Alexis qui me l'a appris. Ouais. Et du coup, après, bah voilà. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo explicative de ce tour et qui vous pouvez retrouver sur votre espace client. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous ferai la vidéo explicative de la démo que je viens de faire. Voilà, tout voilà. À fait. Et d'ailleurs, si vous l'avez déjà. La vidéo explicative se met à jour dans votre compte client aussi. Oui. Donc ça veut dire que si vous avez déjà le tour et que vous êtes en train de regarder ce live, n'hésitez pas à retourner dans votre espace client, regarder, parce que pour ce tour, bah, il va y avoir une mise à jour avec l'explication de Clarisse. Carrément. Donc n'hésitez pas, parce qu'en vrai, j'ai trop hâte de vous expliquer tout ça. Ouais, moi j'ai hâte de voir l'explication, parce que j'avoue que je me suis jamais penché sur, j'ai jamais travaillé cette routine. C'est vrai. Alors je fais d'autres routines un peu basées sur ce même principe, mais s'il y a une routine de pièces que je veux rajouter à mon répertoire, ce serait celle-là. Ouais. Ben écoutez, je vous lance un défi. La prochaine vidéo, la prochaine fois, vous faites Vegas Dream. Ok. C'est vrai. Je prends le pari. Allez, c'est parti. Sans problème. Ok. Et est-ce qu'on a dit le prix de ce tour? Et non, donc il est à 75€. 75€, les amis. Donc vous avez la vidéo explicative en anglais, originale du créateur. Et vous aurez la vidéo Magic Dream, du coup, que vous pourrez retrouver aussi la prochaine vidéo qui vous présentera. J'essaierai de le faire aussi bien que toi, on va dire.
Donc, je suis sûre que ça va le faire. Nous en reste un. Il nous reste un tour. Ah, effectivement. Il nous reste un tour. C'est un tour qui nous a été redemandé encore plusieurs fois. Donc, c'est pour ça qu'on le remet dans le live. Ouais, alors dans le dernier live avec Jérémy, je voulais mettre ce tour. On avait tellement de tours qu'on a décidé de l'enlever. Par contre, là, on va vous le montrer et on va vous montrer une démonstration un petit peu particulière. Oui, c'est vrai. Alors, ah, c'est très drôle. Alors, donc la vidéo, en fait, elle est sortie mercredi, au final. Parce que Solange Cardinali, je ne sais pas que si vous connaissez, mais forcément vous connaissez, c'est la magicienne qui fait du quick change. Ouais. Donc instantané, bam, elle change de robe, c'est trop stylé. Et qui d'ailleurs, on la félicite parce qu'elle est en finale de America's Got Elle est Talent. passée en finale d'America's Got Talent, et là, du coup, c'est l'heure des votes. Nous, on ne peut pas voter, malheureusement, je crois, parce qu'on est en France, et du coup, c'est que aux États-Unis. Mais en tout cas, on est là pour la soutenir, c'est pour ça qu'on a posté cette vidéo. Et on lui a fait, du coup, le tour Choice en boutique, spécialement pour elle, et elle a adoré, et c'était très, très drôle. Et donc tu as l'enregistrement, on va pouvoir le diffuser. Ouais, je vous diffuse la vidéo tout de suite. Je vais vous montrer un tour de magie assez particulier parce qu'il s'appelle Choice. Pourquoi? En fait, parce que dans la vie, on a plein de choix à faire. La vie est composée de choix. Okay? D'ailleurs, vous allez avoir un premier choix pour ce tour de magie. C'est de savoir si Solange, vous voulez le jeu carte rouge ou le jeu carte Rouge. Rouge? On est sûr, on ne change pas. Ok. Jeu carte rouge, juste ici. Je laisse à l'intérieur de la main. Et du coup, vous aurez le jeu carte bleue. Je vais avancer le tapis parce que dans quelques instants, vous allez distribuer les cartes face en bas, une à une sur la table, ok? Allez-y quand vous voulez. Mais si on n'a pas le super. Et vous arrêtez quand vous voulez. Ici. Ok. Donc c'est à des endroits différents. Ok, ça c'était le deuxième choix, c'est quand même assez intéressant. Et le troisième, alors là, lui, c'est le plus compliqué. C'est de savoir si vous voulez cette carte-là ou la carte sur ce paquet-là. You choose this one or this one? This one. This one? For me. And? Et ça. Celle-ci. Donc je mets la carte rouge dans le paquet bleu, la carte bleue dans le paquet rouge. Ok, parfait. En fait, le truc qui est assez rigolo, c'est que j'ai pas vraiment touché les cartes depuis le début. Là, je vais les toucher. Attention, ça va être une manipulation assez bizarre. C'est pour vous redonner vos cartes. En fait, juste échanger les jeux. Pour le moment, ça va? On a une carte rouge dans le jeu bleu et une carte bleue du coup dans le jeu rouge. Et ce qui est assez intéressant, c'est que malgré tous les choix que vous avez faits, c'est-à-dire le choix du paquet, le choix de distribution des cartes, on s'est arrêté vraiment sur les mêmes cartes. Super cool, hein? Super. Oh, je sais ce que vous dites. Vous dites peut-être qu'il n'y a que des 5 de cœur dans le milieu du jeu. En vrai, c'est vrai que ce serait facile pour moi. Mais par contre, dans le milieu du jeu, c'est vrai qu'il n'y a que les mêmes cartes. En revanche, Waouh. il n'y a pas du tout de 5 de Waouh. cœur. Ouais, c'est Les super cartes ça. sont Very vraiment nice. pas du Very tout cool. Super. C'est vrai. Ouais, très bien. How much is it? Donc voilà les amis, la petite démonstration de Choice à Solange et son mari, je crois, Arcadio. Donc Exactement. ils ont adoré. À la fin, il m'a dit How much? Improbable, vraiment, c'était très Ouais. très drôle. Non, Donc c'est un voilà. très bon tour de Jérôme Solo qu'on salue aussi, qui est vraiment un créateur qu'on suit, avec qui on fait beaucoup de créations. Ouais. Twitch Cup, il y en a eu beaucoup. Letters, qui Creators, a été un Numbers. carton ces derniers mois, Numbers aussi, et qui a des très bonnes idées. Et ce qui est intéressant, c'est que ça bluffe pas mal de magiciens qui ne connaissent pas ce principe. Et l'autre intérêt, c'est qu'il est personnalisable. C'est-à-dire qu'au lieu de révéler des cartes, vous pouvez aussi révéler un dessin, faire un cœur avec des prénoms de mariés si vous travaillez sur des mariages. Donc il y a, tout ça, c'est expliqué dans la vidéo d'explication. Mais en tout cas, le côté personnalisable, c'est pas négligeable pour ce genre de tour. Non, c'est vraiment très très bien. Je pense que moi je faisais beaucoup pin card à l'époque, Ouais. mais vraiment tout le temps, et je le fais parce qu'on me le demande encore en boutique. Mais maintenant, un des tours que je fais le plus, c'est Choice. Oui, bah après, dans une vie de magicien, heureusement, il y a des tours qu'on arrête de faire, qu'on reprend. Ouais, c'est Moi, vrai. par exemple, j'ai arrêté pendant des années de faire certains tours. Et puis, tout d'un coup, en regardant un peu ce que je stockais dans mes tiroirs, je me disais, mais finalement, ça, c'était vachement bien. On Et veut puis, les je le noms, on veut les ressors noms. et je reprends plaisir à les refaire. Et heureusement, parce que sinon, si on fait toujours les mêmes tours pendant 20 ans, je vois pas l'intérêt, Mais quoi. c'est vrai, c'est quoi le tour en ce moment que vous faites le plus en prestat? Alors, moi, j'aime beaucoup le Rubik's Cube. Ok. Donc, je fais cube 3 en Presta. Ok.
Et je fais aussi le Venom Cube. Ok, est-ce que vous faites le tour de Sam Young, Non, alors ça, Crazy Sound pareil. Mind? Ça, c'est dans la liste des choses qu'il faut que je bosse. C'est hyper visuel et ça demande un petit peu de travail. Donc, pareil, peut-être je relèverais peut-être pas le pari comme pour Parce que du Vegas coup, Dream, mais ça m'intéresse de me pencher parce que dans dessus, votre ouais. vlog Vegas, du coup, vous avez filmé Oui, en Henri Arrus en train de Réarus, faire ouais, la tout à fait, ouais, démonstration. tout à fait. Bah, j'ai d'autres tours. J'ai des tours avec du jeu blanc, mais ça, c'est un petit clin d'œil que je fais à Johan parce qu'il est au taquet aussi sur les jeux blancs. Et c'est surtout lui qui est d'ailleurs qui est sur les jeux blancs. Mais j'ai une routine avec un jeu blanc que j'aime beaucoup. Trop bien. Et puis voilà. Un jour, déjà, j'ai montré ma valise de close-up Mais dans j'allais. le groupe MD+. Ouais. Et donc, J'avais peut-être bien aimé que. cette vidéo, mais est-ce que du coup ça vous dirait de faire une vidéo comme ça où vous faites quelques tours que vous présentez en Bien sûr, freestyle? ouais, sans problème. Trop Avec bien. plaisir. Franchement, moi ça me plairait de fou. Donc j'ai trop hâte. Allez. N'hésitez pas, hein, Clarisse, ça demande beaucoup d'idées de tours ou de vidéos à faire. Donc n'hésitez pas à commenter aussi et à proposer des idées qu'on pourrait réaliser pour partager ce plaisir ensemble. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai reçu des messages sur Instagram de personnes qui veulent faire des lives avec nous. Donc oui, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à venir sur nos lives Instagram, nous demander, même quand on est en live, en fait, tout Ouais, simplement. et on vous invite. Et ça, je savais pas. Bon, je suis le plus novice de l'équipe sur les réseaux sociaux, mais j'ai vu quelqu'un faire ça et je trouvais ça génial de pendant un live de dire ah bah tiens, on va se connecter avec lui et puis on parle Oui, comme c'est si on vrai, bah, était du en coup, visio. c'est les gens qui peuvent demander. Et je sais que des fois, le soir, bah, je me balade sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, et je scroll. Et des fois, je tombe sur des lives de magiciens. Et c'est très drôle, parce que même avec mon compte privé, ils me disent, mais non, Clarisse, est-ce qu'on peut faire un live avec Magic Dream? Du coup, bah, avec plaisir. Voilà, on fait un petit résumé du live, Clarisse. Tiens, ils ont oublié de dire le prix avant, Bien vu. 39,90 €. Oh là là, tu rates rien. Et vous me direz, mais j'ai essayé de regarder un peu plus la caméra. Moi, j'ai trouvé ça parfait. Donc, on fait un petit résumé. On a commencé avec la promo des livres. Hein. Je ne vais pas tous vous les ressortir, mais j'en ai quelques-uns ici. Vous avez les livres Magic Dream, les livres aux éditions Magic Dream. En promotion pour la semaine du livre, ça s'arrête mercredi prochain. D'ailleurs, je pense que une de mes, enfin, mes vidéos préférées à réaliser sur notre compte Instagram à l'époque, c'était vraiment sur les livres. Donc, tout ce qui est Expero Card, Principia, j'avais adoré Ouais, faire bah ça. ouais. Bah, ouais, moi j'aime beaucoup les livres aussi. Ensuite, on a eu Mister Globe. Ensuite, on a eu Mister Gloves qui est là-bas, donc vous construirez les amis une marionnette avec des gants qui devient carrément votre assistant. Ensuite, vous avez la nouveauté de la rentrée en livre sur Natéum Archivlum. Archivum. Les Ouais. archives surnaturelles. Un livre de Christian Christian Schellman. Perman, voilà. Ensuite, on avait non, les livres, C'était les jeux. Wooden Mountain Logs. Non, C'est c'est où? là, C'était ça. voilà. Hop! Ensuite, on avait les jeux One Le Piece. jeu One Piece, ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont sortis, donc n'hésitez pas à regarder sur la fiche produit. Il y a toutes les images, en fait, aussi des jeux de cartes. Et puis, de toute façon, on va vous en faire une vidéo. Ensuite, nous avions notre petit coup de cœur, mon petit coup de cœur du Entourage. moment Bah, entourage. j'ai bien aimé, j'ai découvert en live, mais c'était Et il faut que je vraiment te très très l'explique cool. après. Et Hein. je veux l'explication parce que j'ai pas compris. Juste ici, on avait Vegas Dream. Hop. Tout à fait. C'est très pratique. Et vous avez aussi le tour de Jérôme Soloux, Choice, qui est au prix de 39,90. Et on a terminé ce live avec ce tour. Il ne nous C'est reste ça. plus qu'à vous remercier. Merci Clarisse. Mais merci à vous. Et d'ailleurs, juste avant de partir, il faut savoir que lundi, on organise un petit truc. En fait, c'est un événement dans un théâtre à côté de Magic Dream, juste à côté, à 30 secondes. Le concept est formidable. On se rencontre, on vous fait des tours, on vous fait découvrir des tours. C'est un peu un Ouais. talk. L'idée, c'est on va prendre un nom qu'on utilise pour notre congrès, c'est d'organiser un rendez-vous en fait C'est ça. avec vous. Au magasin et au théâtre à côté du magasin. Donc, on va vous montrer des choses qui vont sortir. On va vous remontrer des choses qui sont sorties. On va mettre toute l'équipe à contribution pour faire de la démo et discuter, échanger. Nous, on va en profiter aussi pour faire des vidéos pour le magasin Donc c'est pour ça. pouvoir communiquer L'idée aussi. c'est vraiment échanger avec vous, faire des vidéos. Donc si vous voulez être sur une vidéo Magic Dream, que ce soit un Ouais. trailer, une vidéo de démonstration, etc., n'hésitez pas à venir lundi, les amis. On vous met l'heure juste ici. Donc c'est rendez-vous au magasin.
Et après, on descend tous ensemble au théâtre. Alors, le nombre de places est limité. Ouais. Donc, malheureusement, on ne pourra pas accueillir tout le monde. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer un message, à réserver la place, parce qu'il n'y a pas beaucoup de places. Ouais, voilà, le théâtre fait une quarantaine de places, mais on va avoir besoin de places aussi pour mettre les caméras. Ouais. Donc, n'hésitez pas, envoyez un mail si vous voulez participer lundi prochain, lundi soir, à ce rendez-vous au théâtre à côté du magasin, envoyez-nous un mail et on vous répondra et on vous mettra sur la liste. C'est ça. Et si vous n'êtes pas disponible lundi, parce que ça peut arriver, ou si vous voulez pas me voir, par exemple, ça peut aussi arriver, et bah vous avez l'occasion, ah bah non, vous verrez toujours du coup, mais vous avez l'occasion d'aller au Billy's Magic World qui est le 28 septembre, donc voilà. C'est un samedi. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est Bernard Billy's qui donne des cours. En général, il fait toujours un rendez-vous chez nous pour la rentrée en fait, de ses cours. Ouais. Et là, comme il y a eu les JO, il n'a pas pu le faire début septembre. Donc, ça a été décalé fin septembre. Donc, c'est un rendez-vous au magasin. Bernard Billy's sera là avec ses élèves. C'est ça. Et donc, vous avez l'occasion, vous pouvez en fait, durant un repas, discuter avec les élèves de Bernard, avec plusieurs magiciens, avec Bernard même, tout simplement. Tout à fait. Et pour ça, il faudra juste lui envoyer un message sur Messenger, sur Facebook. Mmh. Enfin, c'est ça, je crois. Oui, Messenger. Facebook, c'est la même chose. C'est la même chose, d'ailleurs, oui. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, je pense qu'on a tout dit pour l'actualité. On vous rappelle que nous avons nos cartes. Elles sont là, je suppose, c'est pour qu'on en parle. Oui. Donc, vous avez nos cartes de fidélité, la MD+. Ou la MD qui vous donne 10% de remise toute l'année, et puis la MD+, qui vous donne 10 et 15% de remise sur les produits Magic Dream, mais aussi accès à un contenu génial avec des conférences, des explications de tours, des podcasts, notamment un que je fais avec Johan qui s'appelle Cause Toujours. Et puis du coup, les prochains qu'ils auront sur les routines de Guillaume en prestation. Voilà, donc pas de soucis. Donc voilà, merci à vous les amis de nous suivre, de suivre toutes nos aventures, de suivre nos vidéos, etc. Ça fait vraiment plaisir. Tout à fait. On a une communauté incroyable. Merci Clarisse. Merci à vous. On vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Portez-vous bien. Bonne journée. Salut.